Il y a 50 ans, il n'y avait pas de smartphone pour filmer les sorties du dimanche, les voyages et les fêtes de famille. Mais il y avait le cinéma amateur et tous ces filmeurs qui, avec leurs petites caméras, ont immortalisé les étapes marquantes de leur vie. Cinéam collecte, sauvegarde et valorise ces films amateurs et familiaux. Ça, c'est l'abreuvoir de tous les fours. Il y avait 9 ou 10 dans la ferme. Et le petit garçon, c'est moi. Ces films ont la particularité d'apporter un regard personnel sur l'histoire et l'évolution de notre région. Alors là-bas, c'est Étampes. Nous, quand on est parti d'Étampes en 1944, il y a eu un sacré bombardement là. Alors ça, c'est des souvenirs qui remarquent quand on est enfant, hein. Alors, oui, ça c'était le square Saint-Gilles, ça. C'est oui. Le square Saint-Gilles, oui. C'est des scènes de la vie du quartier, quoi. Ah, oui. Vraiment, c'était ça, hein. Les dames qui discutaient. Ah oui, c'est ma grand-mère. Qui est là, avec ah madame, oui, arrêtez de voir. Avec madame d'Allongeville. Avec madame d'Allongeville, voilà. Au-delà de la mémoire privée, ces images si vivantes ont beaucoup à nous raconter. Les vêtements changent, les robes raccourcissent, les chapeaux disparaissent, le plastique fait son apparition dans notre quotidien, les voitures envahissent les routes et les parkings, les travaux agricoles se mécanisent. Et le tracteur, vous l'avez eu en quelle année, vous pensez ? 36, tout par là, je suppose. C'est encore des roues en fer, peut-être même plus tard que ça. Durant ma jeunesse, il y avait déjà les premiers tracteurs, mais c'était des tracteurs qui marchaient à l'essence, alors ça coûtait extrêmement cher, donc... Ah, là c'est moi, voilà le fameux Massaris. C'était peut-être la première moissonneuse-batteuse. Oui, c'était les premières moissonneuses-batteuses. Maintenant, elles ont des cabines, tandis que les premières, elles n'avaient pas de cabine. Depuis plusieurs années, avec le soutien de la communauté d'agglomération de l'Étampois-Sud-Essonne, nous menons un travail de terrain pour retrouver et numériser les films évoquant la vie de nos communes. Grâce à vous, grâce aux habitants, nous avons déjà réuni des films dans 11 communes de l'agglomération. Mais il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas dans les 25 autres communes. Vos parents ont filmé en Super 8 ? Vous avez des bobines au fond de votre grenier ? Confiez-nous vos films. Nous viendrons chercher vos cartons de bobines. On comptera ensemble le nombre de films. On s'occupera un peu d'eux. Puis, on les numérisera avec une machine toute neuve qui les scannera image par image en haute définition. Une partie de nos archives sont consultables en ligne sur notre site. Et si vous alliez vous promener dans votre enfance ? Merci à tous les cinéastes qui nous ont confié ces images.